genre elle a été chopée, son frère il a chopé, il a tué son mec et tout parce Pourquoi que parce qu'elle était avec son mec dans le quartier. Et les meufs d'aujourd'hui. Quoi les meufs d'aujourd'hui? Tous les mêmes. Moi ma soeur elle voit même pas le jour. Hein. Mais n'importe elle quoi. Elle fait le ménage, l'aspirateur, la vaisselle, tout. Et ma mère elle dort. Ma soeur c'est bon. À quoi une meuf? Ça sert à quoi ça, une meuf sert à ça, faut pas voir que par ça, hein. Ça va pas vous dans votre tête. Hein. Faut arrêter de penser comme ça. Hein. Pourquoi? Sérieux, c'est pas, maintenant c'est pas que les filles qui doivent faire le ménage. Maintenant les femmes elles travaillent, elles ramènent aussi l'argent à la maison, elles ont les mêmes droits que les mecs. Je travaille, oui, je fais à manger. Toi, la bouffe. Ouais, les gars. Pourquoi ils ramènent tout ça? Vas-y, vous pouvez partir, je suis obligé, mais pas de partir maintenant. Bah non, on était là avant. Les mecs, ils squattent ici tout le temps. Oh, partez, s'il vous plaît. Non, on part pas, on reste. Vas-y, vous demandez une dernière fois, j'en ai. Non, tu peux me demander encore une autre fois. Vas-y, là, t'es une meuf, je comprends. Ah, déjà, je me touche pas. Vas-y, bouge. Et alors, c'est pas parce que je suis une meuf que je peux pas rester sur un banc? Bah non, là, c'est pas marqué. Il y a pas marqué vos noms. T'as pas compris. Si, j'ai très bien compris. Et notre banc, bah vas-y. C'est toi, t'as pas compris. Là, c'est notre banc. Bon, vas-y, viens, on les ignore, c'est bon. Et ta sœur, elle fait que le ménage. Ah ouais, toute la journée. Elle prête ça sur métier, écoute. Ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir que ça soit ça son métier? Vas-y, on part. J'en ai marre, c'est quoi de ce quartier là où les meufs elles peuvent rien faire? Ça va? Ah, il est là, lui. C'est quoi? Bah, rien comme tu vois, enfin, tour à Cannes. Ouais. Eh, franchement, Rabat, elles m'ont dit, t'as vu, ça se fait trop pas ce que tu fais. Genre, devant tes potes, tu fais le mec, tu fais le mac, et quand t'es avec nous, tu fais le canard, ça se fait pas, tu vois. Franchement, je suis déçue, tu sais quoi? Pourquoi? Parce que tu me fais toujours passer après tes collègues. Tu me déçois là par rapport à tes potes, hein. Pourquoi? Parce que tu me calcules pas quand t'es avec eux, et hier, tu m'as manqué de respect grave. Si, je te calcule. Bah, non, t'as voulu me jarter de la table. Bah, c'est normal, mes potes. Ah, parce qu'il y avait tes potes et comme je suis une fille, je dois partir. Pareil que les meufs, on doit faire le ménage. Mais moi, mec, j'en ai rien à foutre de ton rond passage. Je suis plus bordélique que toi, et alors? C'est pas à moi de ramasser tes chaussettes qui sentent le ramon. C'est pas à moi de faire toutes tes lessives. Et même si des fois je le fais, je sors du linge tout froid, c'est exprès. Me demande pas de faire à manger, tu serais déçu. T'aurais des pattes collantes aux œufs d'un bout du poids de mon rue. Y'a pas marqué boniche sur mon front, non. Encore moins marqué caniche, alors s'te plaît, me parle pas sur ce ton. C'est pas à moi de changer les draps, vas-y tais-toi. Le sol est sale, chérie, vas-y nettoie. C'est pas à moi de me prendre la tête à supporter tes bottes. Pas à moi de nettoyer tes chiottes. Pourquoi je devrais toujours te laisser conduire, hein? Car moi j'ai mes 12 points et toi t'en as plus qu'un. Si on changeait un peu les rôles, si on inversait les règles, si c'est moi qui avais la boule, si c'est toi qui avais